Hey, si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon Utip ou mon Tipeee. Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes. C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore plus la développer grâce à vous. Pour y aller, le lien est en description. Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo. Sakura hira hira, mai orite ochite, yureru omoi no take wo dakishimeta, kimi to haru. Hello les gens, Santo Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Avant de commencer, si t'es un dessinateur, n'hésite pas à m'envoyer tes dessins sur Instagram. Et si je les kiffe, je les posterai sur mon Insta en te faisant de la pub, bien sûr. J'ai aussi une chaîne secondaire, elle se nomme Anto Senpai. Il y a déjà des vidéos dessus, donc n'hésite pas à les voir et à t'abonner si t'aimes. Et aujourd'hui les gens, je vais vous présenter un animé où les deux héros principaux sont ultra puissants dès le début. Sur ce, let's go! Saredo Tsumibito wa Ryuto Odoru. Nous serons propulsés dans le quotidien de Gaius et Gigina, deux jeunes hommes évoluant dans un monde où les hommes ont réussi à contrôler la magie et l'utilisent pour se battre contre de terribles monstres. Nos deux amis, ainsi, travaillent pour une société qui les paye en échange de nombreux services d'éradication de ces monstres. Nous suivrons ainsi nos héros dans leurs aventures. Alors j'ai énormément kiffé cet animé. T'auras deux personnages très différents, mais qui malgré ça, quand ils se battent ensemble, deviennent quasiment invincibles. En effet, on aura Gaius, le mec ultra intelligent qui utilise son cerveau lors de ses combats et qui adore gérer les filles, et Gigina, le gars fond dans la tradition de sa famille et qui n'a pas le temps à perdre quand il voit un ennemi. Il lui fonce dessus pour le décapiter avec son épée géante. C'est assez cool ce genre d'animé où tu suis deux personnages au lieu d'un. Ça te permet de voir deux points de vue différents pour une même situation, et surtout de ne pas t'ennuyer en suivant un puis l'autre à tour de rôle. Ensuite, c'est un animé très adulte, donc oui, tu me connais, j'aime bien rigoler, il y aura bien sûr de l'humour, mais tu suivras des personnages adultes, donc ils auront leur copine et ils feront leur bail bresson avec, si tu vois ce que je veux dire. Par moments, ils parleront aussi de choses sérieuses. En fait, tu suivras vraiment la vie de nos deux héros et pas seulement leur combat comme dans certains animés. C'est vraiment cool à regarder. De plus, tu verras que nos héros sont certes des associés, mais tu te rendras vite compte que l'un n'hésitera pas à mettre des bâtons dans les roues à l'autre pour recevoir toutes les éloges. Des fois, ça peut même arriver que l'un frôle la mort carrément. C'est un peu des amis ennemis. Donc si tu veux un animé où des héros peuvent défoncer des monstres faisant 100 fois leur taille et leur poids, et dans le plus grand des calmes, fonce, tu vas kiffer comme jamais cet animé. You're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that. Oh, you have to be the one that. We stay up late and sleep through the day. Every time you're at my place, yeah, you misbehave. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermine, détruis, fais du mal à la barre des pouces bleus, je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire, quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchuss, et à la prochaine.